Bonjour Fabien, merci beaucoup pour l'interview. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent comment t'es arrivé à ton poste actuel et puis après, déjà, en quoi ça consiste ton poste actuel? Alors, moi, je suis arrivé à mon poste actuel directement après l'école, en fait. Donc, je suis sorti de Supinfocom en 2019. Et en fait, on a eu des sessions de recrutement à l'école, et c'est comme ça que pas mal de mes copains et moi-même ont été recrutés. Donc, actuellement, je travaille chez MacGuff Belgium. Donc, c'est la filiale du groupe MacGuff qui détient Illumination. Enfin, c'est un énorme groupe, c'est un peu comme Carrefour, par exemple. Et il y a la filière Illumination qui fait les mignons, moi, je suis méchant. Il y a la filière Mogueflin qui, eux, font les VFX et qui se basent à Paris. Et ils ont ouvert également une filiale en Belgique, donc MacGuff Belgium, et c'est là où je travaille avec quelques copains de l'école. Et donc, c'est une petite société qui comporte une cinquantaine d'employés. Ok, super. Et mon poste actuel, en fait, c'est Pipeline TD. Donc, en gros, je m'occupe de tout ce qui est le pipeline d'un film. Le pipeline, c'est quoi? C'est un peu. C'est en gros la structure qui va regrouper les travaux des différents artistes pour finalement faire un film. C'est-à-dire, c'est comme un. C'est vraiment un outil qui va harmoniser tout le film, qui va permettre de faire travailler les gens ensemble pour ainsi sortir le film dans de bonnes conditions. Donc, moi, je travaille essentiellement sur ça et ma journée consiste à coder, à faire du code, à faire du Python, ce genre de trucs, et c'est plutôt chouette. Voilà. Ok, top, top. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en détail ton parcours, quelle école t'as fait, par où t'as commencé, combien d'années d'études t'as fait? Alors, moi j'ai fait un bac S. Donc, j'ai fait un bac S, j'étais très moyen. Ensuite, j'ai postulé à Supinfocom. C'est une école que je me suis rendu compte que je voulais faire très tard. À la base, je voulais faire du jeu vidéo. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Supinfo Game. Et ensuite, du coup, l'existence de Supinfocom. Et en fait, à la base, j'étais beaucoup plus saturé par le jeu vidéo. Mais en me rendant compte, en fait, des postes, du métier, etc., je me suis dit, mais en fait, l'animation, ça regroupe quand même pas mal de choses. Donc, je me suis dit, je vais plutôt me tourner vers l'animation. Et surtout qu'en faisant de l'animation, j'avais plutôt vu qu'on pouvait aussi peut-être tomber un peu dans le jeu vidéo. Bon, ça dépend, c'est un peu plus nuancé, mais voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à Supinfocom après le bac. Donc voilà. Donc il y avait un concours. J'ai passé également des concours à Supinfocom Mopa, qui maintenant, enfin Arles, pardon, qui maintenant s'appelle Mopa. D'accord. Et donc voilà. Comment t'as ressenti un peu Et les concours pour rentrer à Superfocom? de comment? Comment tu les as ressentis les concours pour rentrer à Superfocom? Tu les as trouvés difficiles, faciles? Stressant, forcément, comme n'importe quel concours, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que l'ambiance était peut-être pas la même entre les écoles. Peut-être dans Superfo, j'ai noté une petite différence entre Superfo comme Arles. J'avais peut-être senti plus dur celui de Arles, mais sinon, on nous avait quand même pas mal briefé sur ce qu'on allait avoir. Donc, on était quand même assez préparé. On nous avait dit qu'il allait y avoir ci, ça, cela, et comme ci, comme ça. D'accord. Donc, on s'était plutôt préparé. Mais ouais, bah, c'était quand même stressant, il y avait quand même des enjeux, c'est comme tout, je pense. Donc après, j'ai pas testé non plus des très grandes écoles comme Gobelins, par exemple, dans le milieu de l'animation. Mais ouais, puis bon, après, c'était une bonne expérience, je pense, c'était vachement bien quand même, tout ça. Écoute, Donc voilà. super. Juste pour information, est-ce que tu te souviens d'à peu près les épreuves que tu as eues ou pas? Alors, les épreuves que j'ai eues, en fait, ça a été énormément de l'artistique, donc ça a été surtout une création de storyboard, donc il fallait faire un petit storyboard dessiné à partir d'une histoire. Fallait ensuite également faire un dessin de création. On avait un thème, et du coup, par exemple, un thème du style l'eau. Il fallait faire un dessin sur l'eau, parce que c'était pas ça le thème, mais voilà, c'est ça l'idée. Il y avait un test de culture générale sur plusieurs pages où le but c'est de remplir. En fait, le but c'est de ne pas le remplir, le but c'est faire le plus possible, on va dire. D'accord. Et avec cela qui a été. Et il y avait un entretien. Je pense, je reste persuadé que l'entretien représentait quand même. Allez, un bon 80% de l'évaluation finale, D'accord. sachant que l'artistique et tout ça, c'était peut-être plus pour départager les candidats, sachant que l'entretien fait quand même énormément de choses. C'est l'entretien qui joue quand même la pierre angulaire du concours. Et après, évidemment, on aura toujours des retours différents sur selon est-ce que quel prof nous a interviewé, machin, est-ce que ça joue, etc. Car tous les profs, parce que c'est les profs qui passent les entretiens. Ok, Donc voilà. super. Et du coup, il y a peut-être des gens qui nous regardent là et qui se disent peut-être qu'ils ont envie de rentrer dans une école et qu'ils veulent passer un entretien. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent comme travaux? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils ramènent? Comment il faut qu'ils soient, etc. Est-ce que tu as des choses à leur dire peut-être? Je sais pas trop, c'est difficile à juger puisque chacun a son propre ressenti, chacun, j'ai envie de dire, soyez vous-même, mais c'est tellement facile à Ouais. dire et difficile à faire
que j'aurais du mal à dire ça. Non, je pense que ce qui plaît surtout au niveau des entretiens, c'est effectivement c'est quand les gens montrent qu'ils stressent pas et qu'en fait ils sont pas eux-mêmes et que ouais, je sais pas, c'est difficile à dire, c'est vraiment une question de ressenti. Je pense que bon, forcément il y a une question de niveau quand même, hein, de niveau de dessin, beaucoup de niveau de dessin. Et... T'avais ramené des dessins, toi, pour l'entretien? J'avais ramené beaucoup de dessins, mais moi, en fait, on ne m'a pas pris pour mon dessin, on m'a pris pour ma 3D, car j'avais déjà présenté des travaux de 3D. Ah, ok, super. Donc, dans mon book, j'avais mélangé dessin et 3D. D'accord. Et en gros, j'ai présenté un peu les deux. Et après, une fois que j'avais été pris à l'école, 2 ans après, on m'a avoué en fait, que je n'avais pas du tout pris pour mon dessin, que j'avais été pris pour ma 3D. D'accord, ok. Parce que j'avais un niveau en dessin très moyen. Donc bon. Ça Mais va. pour des conseils, pour les gens qui... Ouais, c'est pas en faire trop. Je sais que trop, c'est jamais très bien vu. Vaut mieux être peut-être un peu plus réservé et attendre qu'on nous pose des questions plutôt que étaler la confiture. D'accord, ok. Je Ok. pense, mais après, bon, c'est... Donc voilà. Nous, moi, quand j'avais passé le concours aux portes ouvertes, on m'avait dit qu'il faut être passionné, il faut avoir la niaque, etc. Et je pense que oui, c'est plutôt vrai. Après, chacun a sa vision de ce que c'est passionné, qu'est-ce que c'est passionné. Bien sûr. C'est ce qu'on l'est, on peut être. Bon, c'est difficile d'être objectif. C'est vraiment tout. C'est une question de ressenti. Voilà, quoi. Bon. Aussi, je pense qu'il y a une petite part de curiosité qu'ils aiment quand même beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, quand on montre qu'on est très curieux, qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, qu'on est très ouvert, ça plaît. Sans pour autant et vas-y que j'étale ma culture et que je sais si, voilà. Enfin, bref. Ok, cool, bah écoute, excellent, bah merci beaucoup. Du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur le boulot que tu fais aujourd'hui à MacGuff. Est-ce que tu penses que tu pourrais un petit peu raconter rapidement une journée type, comment t'arrives au boulot, comment ça marche, est-ce que t'as un poste à disposition, sur quel logiciel tu travailles? Voilà, histoire que que quelqu'un qui n'y connaisse rien puisse un petit peu essayer de visualiser comment ça se passe, quoi. Ouais, alors en fait, le poste que j'ai actuellement, en gros, pour juste revenir un peu sur SUP, c'est-à-dire que SUP Infocom, à la base, en fait, on nous forme comme des généralistes. C'est-à-dire qu'on est vraiment formé pour être des généralistes, pour pouvoir travailler sur tous les ensembles d'un film d'animation. Et en fait, par exemple, le code n'est pas forcément quelque chose qu'on nous enseigne. Bon, c'est pas plus mal, donc bon, on pourra dire ce qu'on veut, mais on nous enseigne pas le code en fait, et c'est vraiment les gens qui finissent à coder, c'est souvent par eux-mêmes en fait, par eux-mêmes. Donc toi, tu as appris le code de ton côté, par toi-même? Moi, j'ai appris le code un peu, oui, par moi-même, puis même par intérêt, parce qu'au bout d'un moment, on avait des tools qu'on avait besoin, et je me suis dit, il faut forcément que, au bout d'un moment, ça t'aide sérieux, donc voilà. Et du coup, à la sortie de SUP, je voulais chercher en lighting à la base parce que j'étais formé en lighting et finalement on m'a proposé un poste de TD parce que sur le film de cinquième année, j'avais plutôt eu cette casquette-là. Donc on m'a embauché sur ça, contrairement à des postes de graphiste où c'est du coup beaucoup plus artistique. Là on m'avait vraiment embauché pour du code. Donc c'est pour ça que généralement quand on me demande d'expliquer que je dis que je suis dans le cinéma animation mais que je code, c'est ah bon, tu fais pas des Mickey? Si, je fais des Mickey. Voilà. Donc ma journée type, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la journée type, c'est que je travaille par exemple, on travaille sur un long projet de film d'animation en ce moment chez MacGuff, qui va sortir en fin d'année. Et donc, mon travail type, en fait, c'est, comment dire, comment expliquer, c'est, je développe des outils, j'améliore des outils et je tente de mettre en place des outils via du développement en Python qui peuvent aider le studio à que tout le monde travaille main dans la main. En fait, par exemple, imaginons le film, c'est une voiture. Bah, mon équipe et moi, on va être sur programmer les robots qui assemblent la voiture. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on ne touche pas à la voiture. On touche vraiment comment dire, à la chaîne d'assemblage de la voiture. C'est un peu ça. On va un peu se projeter comme ça. Et eux, les graphistes, vont la dessiner, vont faire les roues, la voiture, la carrosserie, etc. Et nous, on va travailler, on va développer des outils qui permettent de faire des roues. Voilà. Imaginez, ça donne à peu près ça. Donc, nos réunions, on parle de ça, on parle d'outils, de comment mettre en place, de ce qu'attendent les graphistes, les chefs animateurs, les leads, etc. Quelles sont les attentes? Oh, on a un plan où on aimerait que, par exemple, la foule puisse tous courir de cette manière. Bon, ok, comment on va faire? Ok, donc là, on a une scène lourde, on a une jungle, comment faudrait l'optimiser? Bon, on va peut-être faire comme ce genre de plan, ce genre de... Voilà. Voilà mes journées. Ok, super. Écoute, merci. Du coup, est-ce que tu peux nous donner tes horaires juste pour par curiosité? Alors, mes horaires, ils sont
Tout est relatif, hein, je pense que par rapport à... Neuf Ouais, c'est nous, c'est 9h30, 18h30. Ok. Donc on fait, nous, alors après ça dépend entre la Belgique et la France, mais par exemple, nous on fait des semaines de 38 heures. D'accord. On fait des semaines de 38 heures et voilà. Ok, super. Bon, écoute, c'est top. C'est top. Bah, écoute, je te remercie. Alors, est-ce que pour arriver à MacGuff, tu as fait plusieurs films. Du coup, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, ceux qui t'intéressent le plus, ou même tous, dans ceux que tu as envie de présenter, si je puis dire? Ouais, on a fait quand même, on a eu l'occasion de faire quelques films, surtout pendant les études en fait. Ça, c'est une des chances, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des films avec des copains et de manière à peu près encadrée. On a un des, le premier film qu'on a fait, c'était un film d'une minute avec des petits trains. Bon, c'était plus un exercice que vraiment comment dire, une clé de réalisation. Et c'est un film que j'ai fait tout seul pendant un an. Donc en fait, l'exercice c'était que chacun devait faire un film d'une minute qui pouvait regrouper tous les aspects d'un film d'animation, donc la lumière, les textures, l'animation et tout ça, tout ça. Ensuite, voilà, ça c'était un des premiers films qu'on a fait. Ensuite, on a eu l'occasion avec quatre copains de pouvoir réaliser un film pendant notre stage. En fait, c'est-à-dire qu'au moment de rechercher le stage, parce que quand on était à Supinfocom, on devait faire des stages obligatoires. On s'est dit qu'on aimerait faire un film entre copains, et on a contacté des boîtes comme ça en leur présentant le projet. On s'est dit ça marchera jamais, et on a eu un coup de bol monstrueux. Et une boîte a bien voulu nous embaucher pour un stage pour pouvoir faire notre film. Donc là, on a pu vraiment s'éclater parce que on voulait vraiment faire. Parce que jusque-là, on avait fait des films qui étaient vraiment pas commandés, mais qui étaient plus dans le cadre d'un exercice d'école. Et là, ça nous permettait vraiment de faire un film dans un milieu pro sur lequel vraiment on nous donnait pas carte blanche, mais. Ok les gars, faites vraiment éclatez-vous quoi. Donc du coup vous avez envoyé un mail à la boîte en lui disant bonjour, on veut faire un stage, mais dans le stage on fait notre film, on fait ce qu'on veut, est-ce que vous êtes chaud? Alors c'était beaucoup beaucoup plus flou. C'était beaucoup plus flou, c'est-à-dire que nous on avait un projet, on avait monté un PDF, on avait déjà une animatique, des chara-design, D'accord. Ah, etc. vous avez fait un gros travail en amont avant d'envoyer le mail aux Ouais, entreprises, ok. exactement. Et on a envoyé ça à la boîte. Donc la boîte, pour info, c'est le studio Brunch. Donc D'accord. c'est un studio dans le 10e arrondissement de Paris. On leur a envoyé ça. Et ils nous ont dit, on n'a jamais fait ça auparavant, mais bon, allez, vous êtes pas cher, ça fait un film gratos, allez, on vous prend. Ok, Donc top. pour eux, c'est un bénef, en fait, puisqu'ils pouvaient produire un film, qu'ensuite ils pourraient vendre, mais vraiment en payant 10 fois moins que d'un graphiste, un réal, etc. quoi. Donc là, ils nous payaient pour un stage pour leur faire un film. Vu comme ça fait un peu esclavagisme, mais nous, on était super contents parce qu'on s'est dit, on va enfin pouvoir réaliser vraiment un truc à nous au sein d'une entreprise. Donc on a fait un film qui s'appelle Turbo Opéra. Donc c'est des films, des poissons qui chantent. Ok. Ça s'est fait sur à peu près 5 mois. Ouais, non, un peu moins, 4 mois quand même, en tout. D'accord. Et à la fin, on avait le film dure 1 minute 30. Il n'est pas encore sur le web, ce sera la boîte qui pourra le mettre sur le web, mais ça arrivera. Ok. Et voilà, donc on était très contents du résultat, et c'était notre film de stage, et c'est aussi un film qui nous a quand même permis d'étoffer nos chorilles. Donc je sais chacun a vraiment pu travailler, parce qu'on était quatre copains, et chacun avait vraiment un peu son step sur lequel il voulait travailler, et chacun s'est vraiment amusé à faire son step, et on a beaucoup appris d'ailleurs sur ce projet. Super. Donc, Et pour finir, ouais. oui, vas-y, excuse-moi. Du coup, vous avez pu ré réutiliser des plans de ce film dans votre série, du coup. Absolument. Ok, super. Du coup, t'avais terminé, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Et le dernier film, c'est la pièce maîtresse. C'est en gros à la fin des années des 50 Supinfocom, pour avoir le diplôme, on doit faire un film dans l'équipe, entre 5 et 7 personnes, pendant pratiquement un an et demi, 2 ans. On doit réaliser un film, donc de A à Z. Et à la fin, du coup, un film quand même de 5 minutes, 6 minutes, ce qui nous permettra de faire notre principale carte de visite pour ensuite trouver du travail. Et du coup, moi, j'ai eu de la chance, parce que je suis vraiment tombé avec une équipe de copains, donc on était vraiment tous assez soudés. Et on a pu faire un film en un an et demi, donc c'est une petite comédie qui se passe au Portugal, avec des Allemands, des touristes. C'est très ensoleillé, c'est très coloré. Et on s'est vraiment éclaté sur ce film, on a passé vraiment une super année. Et on est assez content du résultat, le film tombe plutôt bien en festival. Et encore une fois, ça a été une énorme carte de visite pour nos chorilles, pour tout ce qui était au moment de trouver du travail, parce que c'est vraiment
la pièce qui sert à dire voilà, moi j'ai fait ça en fait, et sur le film j'ai travaillé sur ci. Donc l'idée aussi de l'école, c'est vraiment de, sur ce film, pouvoir nous, entre guillemets, spécialiser, c'est-à-dire à travers ce film vraiment dire voilà, moi je fais du lighting, je fais de l'animation, je fais des textures, je fais ce genre de choses, pour ensuite trouver un travail. Et du coup, est-ce que toi tu t'étais déjà spécialisé en pipeline sur ce film-là ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est à la base, le code, c'était vraiment plus un coup de pouce de temps en temps sur certains outils. Et à la fin du film, en fait, j'en ai fait tellement que je me suis dit, ah, c'est plutôt pas mal le code. Et j'ai fini comme ça. Mais à la base, moi, ce qui m'intéressait vraiment, et ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est plutôt le lighting compositing. Donc le lighting compositing, c'est vraiment le step final du film, donc c'est-à-dire mettre les lumières et composer l'image finale du film. C'est ça qui me plaisait le plus. Donc c'est surtout mes deux grosses casquettes sur le film. Ça a été Pipeline et Lighting Compo. Et Rig, mais ça j'en parle pas. Ok, ça marche. Et du coup, tu dis que ce qui t'intéressait le plus, c'était Lighting Compositing. Est-ce que demain, si après ton contrat chez MacGuff, on te propose un poste de lighter ou de compositeur, tu dirais oui? Aucune idée, Aucune idée. aucune idée. J'hésiterais beaucoup, D'accord. pourquoi pas. Là, en ce moment, le taf que je fais, bon, faut aussi se dire que c'est mon premier boulot, hein. Là, j'ai 7 mois d'expérience, donc c'est pas grand-chose non plus. Et je suis encore, pour moi, un peu dans ma phase de test. Donc, c'est-à-dire que je tâtonne un peu le terrain pour voir si c'est vraiment ça qui me plaît. Ça me plaît plutôt bien, mais après, comme tu dis, si on me propose jamais un poste, je pense que je réfléchirai bien comme il faut. Ok, ça Parce marche. que c'est vrai que le code, ça reste très créatif, hein, malgré la gueule que ça a. Je trouve que ça reste quand même très créatif comme chose. Mais on manipule pas de l'image. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, on manipule pas, enfin, du moins dans mon département, on manipule très peu d'images. Et ça peut parfois être un peu frustrant. D'accord. L'avantage, c'est qu'on fait aussi beaucoup de. On travaille avec les développeurs pour faire ce qu'on appelle de la recherche et développement, R&D. Et ça, c'est très chouette. Donc, c'est-à-dire qu'on a carte blanche pour essayer de proposer une innovation, entre guillemets. D'accord. Donc, système de plantes, par exemple, là, on a un exemple récent, c'est-à-dire qu'on a une jungle à faire. Donc, nous, on a reçu les concept art, en fait, du directeur artistique du film, avec des images de la jungle, et en gros, avec nos équipes, enfin, avec les équipes, on s'est penché dessus sur, OK, comment on peut faire une jungle jolie et légère? Donc, on a réfléchi à des systèmes d'Houdini, on a travaillé sur des workflows, on a essayé de faire des trucs, et on a vraiment pu proposer, et ça, c'est vraiment très amusant, parce que c'est vraiment de la. C'est du bidouillage, c'est de la recherche, c'est vraiment jouer. Et ça, c'est très chouette. C'est un des aspects très cool que peut-être j'aurais plus en lighting compo. Même si en lighting compo, il y a quand même beaucoup de look dev et que les graphistes sont très libres de proposer des choses aussi. Alors, Enfin, bon, est-ce pas que des je choses. peux te couper 30 secondes juste? Est-ce que tu peux définir le terme look dev du coup parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse? Oui, bien sûr, t'as raison. Look dev, en fait, c'est-à-dire look développement. En fait, c'est-à-dire que dans un film, il y a toujours une direction artistique et un réalisateur. Donc, c'est les gens qui, eux, sont pas forcément. Dans la technique pure et dans le graphisme pur, du moins en termes de manipulation du film. Et eux, en fait, ils vont plutôt vraiment proposer une vision du film, une approche du film, qui souvent, du coup, est vachement intéressante parce que c'est des directions artistiques, il y a des recherches, etc. Et en fait, le travail des techniciens, ça va être de pouvoir proposer, enfin, de pouvoir transposer de l'artistique techniquement. Et du coup, c'est toute cette phase qu'on appelle le look développement, c'est-à-dire qu'on développe le look du film pour pouvoir matcher techniquement les attentes artistiques du film. Ok, super. Donc, un exemple bien flagrant, c'est le dernier Spider-Man New Generation qui est sorti récemment de chez Sony, qui vraiment est une preuve géniale de qu'est-ce que la technique peut quand même faire pour rendre méga joli un film tout avec un rendu comique, etc. Et là, c'est clairement ce qu'on appelle le look développement, c'est-à-dire qu'il y a une énorme phase de look développement pour trouver ce côté un peu comics dans les textures, un peu 2D. Donc, c'est très très chouette. Ok, top. Mais écoute, super. Alors, tu disais tout à l'heure que tu travaillais main dans la main avec les développeurs. Du coup, toi, tu n'es pas un développeur. C'est quoi la différence entre toi et un développeur? Bon, on va dire que un développeur est quand même beaucoup plus dans le, comment dire, dans la création de logiciels. Nous, on crée, on développe, mais on a aussi une énorme casquette support. C'est-à-dire qu'on s'occupe énormément aussi du bon fonctionnement des outils. Ce D'accord. qu'un développeur n'aura pas à faire. Ok. Enfin, si, mais au niveau de son outil, un développeur, lui, va vraiment proposer un tool. Du moins, vraiment coder, mais alors c'est des niveaux de code qui sont beaucoup plus élevés que plutôt nous qui sommes très. Bon, non, enfin, pas qu'on sait pas coder, mais on va dire que nous, on a vraiment aussi on doit aussi beaucoup s'occuper des supports, de ce qui marche, ce qui marche plus. Par exemple, quand un graphiste a un problème dans un logiciel, imaginons que je sais pas, qu'il y a un outil de pipeline qui marche pas,
Généralement, on va d'abord faire appel au TD, à nous, pour voir le problème, pour évaluer si le problème vient du programme, du code, et ainsi se tourner vers le développeur, ou bien si le problème vient du graphiste, ah ben non, bah ici, il ne fallait pas cliquer là, et du coup, se tourner vers le graphiste. Okay. Donc nous, on est vraiment une passerelle entre les graphistes et les développeurs. Donc on travaille, ça, c'est ce qui est un des atouts de ce métier, c'est qu'on travaille vraiment avec les développeurs et les graphistes, et ça, c'est très cool. C'est toi. Alors j'ai une dernière question pour toi, et c'est la question que tout le monde se pose, et que finalement, toi et moi, on sait que c'est un petit peu ridicule. Sur quel logiciel tu travailles? Ah non, c'est pas ridicule du tout, il n'y a pas de souci. Alors ça dépend vraiment des boîtes. Ça dépend vraiment... Ah voilà, peut-être un conseil, que là, tout à l'heure tu me demandais un conseil. N'ayez pas peur des nouveaux logiciels. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est à l'école, on nous forme sur des logiciels qui sont très bons. Hein. Mais généralement, je sais qu'on a toujours cette crainte de « Ah, ils utilisent tel logiciel, je ne sais pas l'utiliser ». Pas de soucis, c'est au contraire, c'est un nouveau logiciel, c'est toujours une porte ouverte à de nouvelles compétences, à de nouvelles techniques. Je pense que ça, c'est un gros atout, c'est que quand un graphiste dit « je connais pas ça, mais il n'y a pas de soucis, j'en ai déjà entendu parler, je vais me plier », ça, c'est vraiment un avantage. Ça, c'est vraiment une force que d'être polyvalent sur n'importe quel logiciel et pouvoir s'adapter très vite. Okay, top. Donc au contraire, quand un nouveau logiciel est proposé, il faut plus voir ça comme une opportunité plus qu'une contrainte. Ok, excellent. Et donc, du coup, moi, je travaille sur Python, en termes de langage de code. Mm-hmm. Python et essentiellement du Maya et du Houdini. Ok, très bien. Eh bien, écoute, super. Bon, Fabien, moi, j'ai après posé toutes les questions que je voulais te poser. En plus, tu as amené vraiment pas mal d'infos, c'était vraiment super. Est-ce que tu as un truc à rajouter pour le mot de la fin, si je puis dire, ou pas? Non, je n'ai pas... Non, voilà, pour moi, ce sera tout. Ok, bah écoute, excellent. Bah, merci beaucoup Fabien pour ton interview. Et puis, alors, dernière chose, est-ce que tu pourrais me dire et nous dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu as un showreel, un lien vers une page de LinkedIn ou un truc comme ça, que je pourrais mettre en lien bien sûr dans la description, pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais? Non, j'ai pas grand-chose, je suis assez discret sur Internet. Bien LinkedIn, donc Fabien, bon, je te l'enverrai, tu pourras. Ouais, je mettrai le lien en dessous, tout à fait. Ça marche, peut-être un showreel ou pas. Et voilà, et c'est tout. Et c'est tout, ça marche, c'est super. C'est tout, après la Vimeo, mais le Vimeo est directement dans LinkedIn. Enfin, le Vimeo est dans LinkedIn, ok, parfait. Bon bah très bien. Ouais. Eh bah écoute, Fabien, je te remercie infiniment. Et puis, bon courage pour la suite à MacGuff du coup. Et bah écoute, merci beaucoup Romain. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or. Et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.